à tous et à toutes, ici Shackler, comment allez-vous? Moi j'ai bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. On est un peu paumé au milieu de nulle part, j'ai un bandeau différent, je vous explique dans pas longtemps, je me fais courser par un monstre. En fait, je me suis mis à explorer pour trouver tout ce qui est souvenirs et tout ça, et j'ai découvert des sanctuaires au passage, et puis je suis allé au sanctuaire, je commençais à faire les sanctuaires que j'avais laissé des coffres, comme celui-là, qui avait un bandana, enfin celui-là. Je l'ai marqué sur la carte. Effacé. Ça, c'était parce que j'étais là quand je voyais quelque chose. Je crois que c'est là, en fait. Dans ce sanctuaire-là, voilà, il y a un marqueur. Il y avait un coffre que j'avais pas pris. Si vous vous souvenez, c'était le timing où il y avait une boule à la fin et j'ai vu des tonneaux en fer. Je vous ai dit, la solution, ça doit être ça. Et c'était bien ça. Ok, du coup pour rentrer dans celui-là il fallait jeter une bombe et puis y'a rien. Ok, bon bah on a tous les trucs d'escalade. Je crois. Si je fais plus. J'ai le haut, le pantalon et le bandana. Du coup je dois grimper comme un enfoiré de kangourou. Je vais baisser le son du casque parce que vous avez peut-être un écho. Du coup, je crois qu'on en a 4, exact. Et ça m'en met full vie. Ça c'est beau, mais c'est tellement beau. Du coup, on peut se mettre de l'endurance. Je sais aussi qu'on peut échanger la vie pour de l'endurance, mais 15 coeurs, ça me paraît bien. Surtout que dans pas longtemps, on devra faire la fin du jeu. Pas longtemps, c'est relatif à la vitesse à laquelle je trouve les shrines. Du coup, allez, les shrines, les souvenirs. Dans cette vidéo-là, on va chercher les souvenirs. Et on va faire des sanctuaires. J'ai vu un autre sanctuaire là-haut. Par là-bas. Enfin, je crois que c'était un sanctuaire que j'ai vu. J'ai vu quelque chose. C'est l'endroit où j'ai mis le coffre. Qui me permettait de voir. Mais comme un débile, je l'ai supprimé. En fait, je me baladais dans la montagne. Je n'ai pas prêté attention. Je regardais comme ça. Et puis, je suis tombé dans le vide. Je me suis fait courser par pas mal de monstres. J'ai découvert ce mur. Je l'ai pété vite fait à la bombe. Et tout s'est bien passé. Du coup, j'ai eu le troisième objet d'escalade. J'ai pas encore fait le coup du marteau. Je pense que ça va me donner des morceaux de la panoplie barbare. Qui m'intéresse aussi énormément. Hein. Mais la tenue d'escalade est vachement pratique pour grimper vite. Quoi. Regardez-moi la vitesse de grimpe juste avec le bandana. Si j'avais les deux d'équiper, ça irait. Mais là, il fait trop froid pour mettre les deux. Du coup, il me faut une petite laine, voyez-vous. Ça là-bas. Voilà, j'ai vu ça. Du coup, je voulais y aller. Avec vous. Pour un flirt avec vous. Je ferai n'importe quoi. Oui, je suis pas un bon chanteur. Alors, j'ai vu ça, qui m'a l'air d'être de la corruption, comme on en voit à peu près partout. Et cette corruption... Je crois avoir vu des yeux, du coup je sais pas si j'ai assez de flèches. C'est bien de pouvoir grimper plus vite. J'ai hâte de tester les trois objets équipés. Je le testerai avec vous sur une vidéo. On va voir si c'est pratique. À mon avis non, puisque malheureusement quand on grimpe il fait froid. Et comme il fait froid, les objets d'escalade... Hop, il me faut une arme. Les objets d'escalade ne rapportent rien. Ça. Ok, il sert à rien. Hop. On va pas sprinter. On va grimper ça vite par contre. Hop. Hop. Alors, là il y a un monstre. Mon objectif est en haut là-haut. Du coup, on va grimper. Ah, écoutez, je sais pas si on peut tout grimper. Comme j'ai pas boosté mon endurance. C'est les prochaines upgrades qui vont là-dedans, comme je vous l'ai dit. Toutes les prochaines upgrades iront dans l'endurance. Parce que la vie, 15 coeurs, je pense qu'on est bon. Même si plus ne serait pas dérangeant. Hein. Allons-nous dire. Mais 25, c'est pas si mal. Voilà, j'ai vu ça. Ça m'a l'air d'être un sanctuaire.
Enfin, ça ressemble à quelque chose qui pourrait avoir un sanctuaire. Du coup, je sais pas si je vais faire tous les sanctuaires avant de faire Ganon ou pas. J'en sais absolument rien. Ok. Ok. Si je fais ça. On va utiliser une flèche explosive. Boum. Je sais pas si ça fait du dégât ou pas. Source de la sagesse. Il y a un dragon. Oh, cet œil-là est particulier. Je sais pas s'il y a une voix. Ah non, il n'y a pas de voix. Celui que tu vois ici est Nedrak, l'esprit d'azur de la montagne de l'Anel, gardien de la source de la sagesse. Au service de la déesse qui règne sur les esprits de cette terre, et blabla. Il est sous l'emprise de terribles pouvoirs du Ganon, du fléau Ganon. Toi qui as obtenu les emblèmes du... Utilise tes pouvoirs pour libérer Nedrak. Oh! Est-ce que je peux te prendre en photo? Oui! Sauvegarder. Du coup, est-ce que ça marche? Ça a l'air. Ok. Ok. J'ai raté mon bus. Faut que je grimpe. Parce que les vents ascendants là, ils vont vachement pas assez haut. Ah. Bon. On va grimper. Je suis obligé d'y aller à la flèche explosive hein, parce que. Au sommet, si c'est que ça. Ok, 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 ok. Alors là il y a un œil. Là il y a un œil. Ok, bon, hop, voilà. Il va m'attaquer? Non, il a pas l'air. Piou. Oups. Piou. Oups. Piou. J'ai touché, non? Oui. Et là, il y en a. Pouf. Je l'ai pas détruit, lui? C'en est un autre? Il y en a un sur la queue aussi. Oh, j'ai raté. Ah, je suis déçu. Ah, il descend. Oh, oh là là. Tu as fait une grossière erreur. Reviens. Mais il s'enfuit. Il s'enfuit ce con.
Si, c'est bon. Hop là. Voilà. Mes genoux. Ok. Putain, je reviens pas que je sois pas mort à cette hauteur quand même. Il en reste un ? Là. Ok. Normalement, sa queue devrait mal se mettre. Très bien. Cinématique, on l'a eu. Grâce à toi, Netrak, l'esprit a été libéré du mal. Frappe de ta flèche le corps, ainsi tu libéreras l'esprit du... cette une partie d'esprit du monde. Tu dois frapper ton corps? Tiens. De Nedrak. Ah, ça veut dire que peut-être que la dernière fois j'avais chopé, enfin je l'avais touché. Je vais prier. Ah, d'accord. L'écaille de Nedrak, bah prendre un peu poser. Ok. Ça sert à quoi? Une porte s'ouvre. Avec un sanctuaire. Je suppose qu'il va être vide. Enfin. Il va être entre guillemets vide. Il va avoir rien quoi. Ah, c'est juste cassé, quoi. Ok. Bah, en route. Ok. Ah, non, regardez, le chameau s'est mis entre l'oiseau et le lézard. C'est peut-être l'ordre dans lequel je les ai vus. C'est bien probable. Ouais, c'est parce que je pensais que c'est un truc qui est direct à la solution. Trident des glaces. Ok, bon bah cette arme là doit être une arme encore unique. Je sais pas si les coffres réapparaissent et ça m'embête fortement parce que par exemple l'épée de feu j'ai pas envie de l'utiliser parce que bah... elle va se casser, je l'aurai pu et puis je serai déçu. Je devrais utiliser mes amiibo d'ailleurs. Je le ferai hors caméra. C'est pas très très intéressant. Et puis, ils sont dans mon débarras dans l'état actuel du coup. Ils sont loin. Ou alors j'irai les chercher entre deux vidéos, à la rigueur. Ok. Est-ce que je peux prier maintenant ? Plus d'endurance. Oui.
C'est parti pour de l'endurance. Ah. Alors, bah, c'est tout ce qu'il y avait ici. Très bien. Alors, normalement, ici on a le pic. Ici on a le lac d'Ilia avec le pont. Si je me trompe pas, c'est pas ça que je cherche, c'est moins. Moins, R. Nous avons une photo. Ah, mon chien qui va faire le bordel. Ouais. Une photo du pont, celui-là. Je crois que c'est le pont du lac d'Ilia. Du coup, on va aller jeter un œil. Du coup, ce pont-là, au vu de l'angle. Au vu de l'angle, on voit les montagnes. Alors, pour voir des montagnes du lac d'Ilia, je dirais là. De toute façon, il y a deux côtés possibles, hein, du coup. Enfin, quatre techniquement. Non, deux. Mais bon, faudrait que je regarde la photo, que je réfléchisse deux secondes. Et c'est trop long! On a fait 45 sanctuaires, je crois qu'il y en a 120. Du coup, on a fait un tiers du chemin. Et je crois qu'il y a je sais plus combien de graines. J'avais vu quelque part 900, mais ça me paraît impossible. Du coup, je vais rien. Ok. Où je suis? Ah, je suis là, d'accord. Oui, c'est bon. Faut que je change de bouclier parce que j'ai pas envie de le casser. Alors, on va changer de tenue aussi. On va se mettre en tenue complète d'escalade. Voir à quelle vitesse on grimpe. Ah oui. Oui, 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 quand tu veux. Là-bas, il y a de la lumière. J'ai cru avoir vu de la lumière, c'était qu'un reflet. Tenez, voilà le dragon. On tente de lui mettre une flèche? Si j'arrive à le rattraper, je lui mets une flèche. Là, c'est le grand plateau. Je sais pas si j'arrive à le rattraper. Tiens, y'a quoi là aussi? Tac, 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 tac. Des ruines. Très bien. Très bien. J'ai pas assez d'endurance encore. Alors, R album. La photo montre presque un angle comme ça. Hein. Avec un arbre, cet arbre. Ok, j'ai failli mourir. Ça m'a l'air bon, ça. Ça m'a l'air bon.
Oui. Et ça, c'est quoi? C'est absolument rien. D'accord. Souvenir. On les trouve. Et en plus, on les trouve en caméra. Celui-là, je savais à peu près où il était. C'est pour ça que je suis même pas allé le voir. Parce que je me doutais que je le trouverais assez vite. Il faudrait que je tire une flèche dans la tête de ce dragon. C'est le seul que j'ai laissé tranquille. Ah, j'ai oublié d'allumer, d'éteindre le gaz. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si... Si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée... Mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier, se doit de devenir chevalier lui-même. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie... Dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin? Je pense qu'elle dit ça parce qu'elle elle est princesse Zelda, elle sait son rôle et qu'elle n'a pas eu les pouvoirs. Et du coup, ça lui fait mal de se dire, j'ai pas les pouvoirs, mais on me dit toujours que je suis cette personne. Du coup, elle a l'impression de ne pas être la bonne personne. Wow. Tu t'es pris pour qui, toi? J'étais en pleine explication. J'étais en pleine explication. Meurs! Voilà! On va aller tirer une flèche à l'autre là-haut. Son règne a assez duré. Quelle connerie je suis en train de faire. Sauvegardons! Purée, il est loin. Il est tellement grand, on a l'impression qu'il est juste à côté quand même. Et je sais qu'il peut aller très 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 loin. Grave. Saute. Voilà. Faites qu'il revienne. Non, il va vers les montagnes! Je crois. Ouais, il va vers les montagnes. Jamais je pourrais le rattraper là-bas. J'ai l'impression qu'il grimpe la montagne, c'est incroyable. Avec un peu de chance, il va revenir. Je lui tire une flèche, je meurs et on est bien. Oh, il m'a l'air de revenir. Oh, il revient. Oh là là, l'erreur. Non, je t'ai déjà pris en photo, toi. J'ai touché. Oh, c'est tombé dans l'eau. Je peux le récupérer quand même, rassure-moi. Écaille de Rodrak. L'esprit d'or Rodrak. Ok, du coup, j'ai récupéré une écaille de chaque dragon existant. Je pense.
À moins qu'il y en ait d'autres. Dégage, dégage. Il est où? Il a disparu? Mais il était pas là il y a 2 secondes. Je suis pas fou non? Il a des pop? Ou alors c'est parce que j'ai pris une écaille? Non. Pas possible. T'es pas prêt pas parce que j'ai pris une écaille ici. Oh bah merde. Ok. Bah ok. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on va faire un peu de recherche avec moi pour voir à trouver les X endroits qui nous manquent. Du coup, il y en a quelques-uns qui me disent quelque chose. Celui-là, par exemple. Celui-là me dit vaguement quelque chose. Celui-là. Et celui-là. Celui-là, il me dit rien. C'est frustrant. Du coup, on va faire ça dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine et portez-vous bien. Allez, bye bye!